Salut à tous ces amis, c'est Dessan et on se retrouve aujourd'hui pour notre 24e épisode de la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Alors j'espère que vous allez tous bien, j'ai pu me renseigner sur ce que c'était la tempête de la mort qui tue du slip tendu. En fait tout simplement, la tempête d'Urfael, c'est une amélioration qu'on a au niveau qu'on peut débloquer dans les compétences. Donc c'est un truc qui coûte 2500 points d'expérience, les petits points d'expérience M là que vous connaissez. Donc c'est énormément de travail pour aller la chercher. Donc pour l'instant c'est pas ce qu'on va faire, on va pas aller s'embêter à aller chercher ça. Je vous le ferai dans un autre épisode bonus peut-être, ou je ne sais pas. Mais pour l'instant on va continuer notre quête, c'est-à-dire améliorer cette armée et faire en sorte que déjà tous les chefs de guerre nous appartiennent. Une fois que ça sera fait, ça va être un petit peu plus sympa. Donc on y va, accepter. Et lui, il faut encore que je lui donne des ordres. Il est là. Putain, en plus, il a... Oh la vache! Mug, il a 4... 4 mecs avec lui, quoi. 4 héros, 4 chefs de guerre. Ça va être énorme. Je peux vous dire qu'ils vont tous crever. Salut à tous! Tout à fait, abandonne ton esprit, il faut qu'on discute un petit peu. Commandez, c'est parti. Alors, tu es là, mon cher ami, où es-tu? C'est lui, hein? Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est une petite rébellion sur lui, que je vais essayer de... que je vais essayer, ma foi, de contrôler. Je meurs d'envie de combattre. Et si je dois encore attendre? Alors, où est-ce qu'on doit aller pour faire cette révolte? Ça doit être par là, je pense. Révolte. Assurer que Gulbic... Non, ouais, d'accord. Épreuve. Ah, c'est là. C'est celui-là. La révolte. Ok, bon, on va faire celle-ci, les amis. Et puis après, on va aller se faire toutes les autres. Toutes les autres bleues qu'on voit, on va laisser les faire. Comme ça, ils vont tous devenir plus forts encore, mes potes. Allez, c'est parti. Grosse révolte. Ça va être la guerre, je vous le dis. Il n'y aura pas de respect tellement ça va être la guerre. Alors, faut que je fasse gaffe parce que là, je suis juste à côté... Ok, alors le mec il dit faut que je fasse gaffe parce que je suis juste à côté d'une forteresse. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il saute en plein dans la gueule du loup. C'est tellement plus rigolo de faire comme ça. Des fois, mais qu'est-ce qu'il est con. Franchement, les amis, qu'est-ce qu'il est con. Ok, donc là on peut pas y aller. On va passer par là. On va passer par le... par le bas. Ok, je vais faire gaffe. On va passer par le bas. Ça sera beaucoup plus simple, je pense. Voilà. Non, mais non, grappe. C'est juste là, juste au-dessus. Allez, on va déclencher cette rébellion. Ça va être la guerre, les amis. 12 contre 14. Allez, go. Je sais pas si ça va être du tout. À mon avis, ça va être dans la forteresse, donc ça va être un peu compliqué. Même pas. Même pas, c'est dans les marais. Vous êtes morts. Tous autant que vous êtes morts. Aucun chef de guerre ne peut combattre après m'avoir affronté. Ouais, enfin là, mon gars, je sais pas pourquoi, mais j'y crois pas trop. Alors, il a un pote avec lui. Nickel, peur de la trahison et dégâts par explosion. Alors là, ça va être un peu compliqué. Maître du combat, il est insensible à la furtivité, insensible aux attaques à distance, tueur de monstres, attaque lourde. Putain, il peut pas être contré, ok. Plus difficile à tuer, il faudra peut-être l'achever. D'accord, et aucune chance. Ok, donc il faut que je fasse gaffe. Et l'autre, est-ce qu'on connaît quelque chose sur lui? Oui, tout à fait. Par coup finaux au combat, donc on peut pas l'attaquer de loin. Déjà, il a peur de la trahison, donc lui, c'est parfait. On va essayer d'aller le choper nous-mêmes. Bien sûr, on ne peut pas. Ce qu'on va faire, c'est... Ah si, je peux. Allez, attrape-le. Attrape-le, et on va le dominer. Ah, comme ça, tu vas nous appartenir. Nickel. Eh bien, écoute, mon ami... Tu vas me donner... Je vais te commander, voilà, direct. Allez, et tu vas aller faire un petit meurtre sur lui. Ça serait cool. Comme ça, il n'existe plus. Ça serait nickel. Allez, va te battre, bitches. Et vous, vous m'appartenez. Allez, c'est parti. Et toi, tu ne combats pas mes alliés, s'il te plaît. Je veux pas qu'il meure. Je... Moi, tu fais quoi, toi? Non, je veux pas que tu meurs. Oui. Dominé. Appartiens-moi, fils de pute. Commandez. Nickel, les amis. C'est la révolte de partout. On ne sait même plus où aller. On ne sait même plus que faire. Mais que faire? Je ne sais pas.
révolte contre lui. Vas-y, une autre révolte. Ça marche. Allez, on a 4 sur 5. J'ai cru que non. Ok, révolte contre révolte. Et là, ils vont dire, ah non, j'ai été marqué. Oh, oh, tu m'appartiens. Ouais, victoire. Pouvoir accru, il est encore plus fort, Mog. Mog, il a plus de respect contre les autres. C'est ma proie. C'est pas beau, ça. Ils nous appartiennent tous, quoi. Tout à fait. Tu as raison, mon cher ami. Tu as raison, mon cher allié. Allez, on va aller se faire ceux qui sont à côté. Mais là, vu qu'ils m'appartiennent tous, le moindre... ceux qui ne m'appartiennent pas vont juste tous mourir. Parce que de toute façon, mais tout le monde va se retourner contre eux, quoi. Donc ça, c'est beau, c'est magique. Alors, faut faire gaffe, c'est une forteresse. Et les forteresses, ma foi, sont vraiment très, très chaudes dans cette... dans cette contrée, je trouve. Allez, c'est parti. Tac. Toi, tu vas nous appartenir aussi, mon cher petit pote. Vous allez tous m'appartenir. C'est la guerre. Le mec, il est tout seul. Ah non, j'ai cru qu'il était tout seul. Je vais tellement te tuer d'une mort mortelle que tu vivras plus. Mais il est pas con, lui, dis donc. Ferme-la. Il est temps de s'entretuer. Toi, mon gars, t'as vraiment des problèmes, quoi. T'as chopé la lèpre. Allez. Est-ce que... oui, non. Peur d'explosion. Ok, bon, on va essayer de se le choper, les gars. C'est parti! Bonjour, je suis ton seigneur. Mais oui, c'est ça. Sauf que tous mes potes, ils vont t'attaquer en même temps. Ah ouais? T'es sûr de toi ou pas? Fils de pute. Toi, dégage. Oh! Je vais tellement te péter ta putain de gueule. Oh! Allez, tu vas juste m'appartenir. Wow, on se détend. Fais une roulade. Bien joué. Ah merde. T'es sûr de toi? Dominé. Ha ha ha. Tu vas... je vais te commander toi aussi. Ok. Bon, c'est tellement la guerre là que... de toute façon, regardez. Trahir. Bim. Allez, tu me les trahis tous. Il reste plus que lui. Allez, comme ça, ils nous appartiennent tous. C'est la vie, c'est comme ça. Toi, tu veux jouer? Putain, il y a des révoltes de partout, ça ressemble à rien. Putain, ils sont tous super balèzes. On a une armée, les amis, ça va être énorme. What the fuck, quoi, toi? Oh, pardon, pardon, mon ami. Pardon à toi. Oh! Putain, c'était épique. Vous avez vu un petit peu tous les combos qu'on fait là dans cet épisode? En 8 minutes, en 8 minutes, tout le monde nous appartient. Parce qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a aucun respect. Allez, on y va. On va tous se les faire. Ils vont tous nous appartenir. Allons-y. Putain, mais c'est brumeux cette... je pensais que c'était parce qu'on était dans les marais, mais même pas, c'est super brumeux en ce moment. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu, mon cher ami. Regarde. Hop. Je suis derrière le mur. C'est pas beau, ça? Que dalle. Que dalle, regarde. T'as même pas le temps, je vais déclencher là. Hop là. C'est parti. Sauf que lui, je crois qu'il a des potes aussi. Oh bah là j'ai juste à attendre qu'il le fasse. Regardez-moi ça. Ouais. Des traîtres et des lâches à massacrer. Oui oui oui. Libère-moi. Je sers le seigneur des ténèbres. Non, et bah lui il sert un mec encore plus fort. Attends. On va discuter un petit peu avant que tu le tues. Salut à vous mes petits potes. Excusez-moi. J'ai 2-3 questions à leur poser, dont lui déjà. Viens là. Il faut que je te parle. J'ai quelques petites questions à te poser. Alors, tu vas me donner des renseignements, pardon, sur lui. Parce que je connais absolument pas ses... peur de brûler et vulnérable au coup, finaux furtifs. Ok. Ça marche, merci. Va crever. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors... jeune homme, fais-en profiter cet intrus de la punition. Et tu fais quoi, toi? Ce que t'as pas compris, c'est que je vais te rattraper et qu'on va discuter un petit peu. Non, le tue pas, s'il te plaît, je suis en train de lui parler. Merci.
commander. Voilà, lui aussi nous appartient. Alors, tu vas aller te battre contre mon très cher ami. Oh, lui c'est une cible de vengeance. J'ai juste envie que tu lui pètes la gueule. Parce que lui je lui en veux. Merci à toi. Voilà, exécution. Normalement réussi. Ah non, a échoué. Oh, c'est ton fuit. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, ça change rien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Voilà. Ok, alors, qu'est-ce qui manque d'autre? Putain, je suis en train de tous me les faire. Il y en a partout, les amis, il y en a partout. Il y en a partout, j'ai des missions comme ça de partout. Qu'est-ce qu'on fait? On va avancer un petit peu. Allez. On va aller se taper un petit truc sympa. On va aller se faire, parce que là, je pense qu'on a déjà bien avancé dans la trahison et dans la domination. Donc, on va faire un petit truc, parce que là, on commence à avoir une armée assez incommensurable. On va aller voir notre chasseur nain, et on va aller chasser le grog blanc. Et ça va être plutôt rigolo, je pense. Tiki 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 tiki. On va essayer d'esquiver les caragors. Tac 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 tac. Hop là. Voilà, on a esquivé les caragors, c'est très bien. Et donc on va aller voir notre petit pote le nain qui va nous apprendre un petit peu comment fonctionne ce grog blanc. Et on va aller le tuer. On va chasser le grog blanc. Et là je pense que ça va être pas mal épique. Donc ça c'est cool. Tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. Ferme ta gueule. Voilà, c'est bien. Allez, on va aller voir notre petit nain. Et je me tais pour qu'on écoute tout ça. Dorvin. Il y avait de la brume. Allez, debout, capitaine. C'est l'heure d'aller chasser. Oh, il est beau celui-là. Sauf que maintenant on peut faire un truc. Regardez, regardez. Chevauchement spectral. Et voilà. C'était simple. Dis-nous tout. Même si elle doit être courte. Je suppose que tu connais la route. Le tout est de savoir si tu es prêt à la suivre. Bien sûr. Quoi qu'il arrive durant la chasse, demande-toi ce que ferait Thorvin. D'ailleurs, tu devrais mettre ça en pratique en toutes circonstances. Et lui, le suit automatiquement. Entre. Sinon... Le puissant Grog t'enverra t'encastrer dans un mur. Je suis prêt à combattre le Grog. Et c'est ce que tu ferais. Combattre, sans finesse. Il ne suffit pas de trancher. Il y a quelque chose de plus grand dans la chasse. Dis-nous de tout. De ton point de vue, nain, tout est plus grand. Ah, bâtard. Ce Grog est très très grand. Oh, attends, tu te moques de moi. Ah, un petit peu. Les Grog sont une des plus vieilles espèces du Mordor. Et de loin la plus mortelle. Il y a longtemps que j'ai pas affronté ce Grog. Espérons seulement que le temps l'aura moins épargné que moi. Un jour, avec mon associé, j'ai pisté un Grog du mont Dolmed jusqu'à Nogrod. Ouais. On a fini par le tuer, mais on est resté coincé 2 jours sous ses pattes. Je l'en ris encore. La dernière c'est fois sympa, dis donc. La bête, c'est quand je l'ai traqué jusque dans son antre avec mon vieil associé. Comment en as-tu réchappé? Par chance, le Grog m'avait assommé. À mon réveil, il avait déjà tué mon associé. Si j'avais dû affronter la créature seule, je serais mort. Je chasse ce Grog depuis près d'une décennie. Ça fait beaucoup d'années consacrées à une seule bête. Un peu, ouais. Tu crois? Ça indique peut-être que tu prêches mieux que tu ne chasses. Ah, très drôle, capitaine. Je n'oublierai pas de rire quand la bête te dévorera. Ou pas. Le puissant Grog fera ma légende. Les nains se souviendront longtemps de Thorvin le chasseur. Je veillerai à ce qu'on cite ton nom quelque part. Bah, j'espère bien, oui. Ok, on y est, les amis. C'est parti pour une petite partie de chasse. Oh. Les Caragors sont trop calmes. Je crois pas que Grog soit chez lui. Oh, on se croirait à l'armée. Bah oui. Ah, ça me plaît. Ah, c'est mieux, mon gars. C'est parti pour une petite embuscade. Ça va être un gros boss, je pense. Ça va être assez rigolo à faire. J'espère qu'on va pas mourir.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une hache de nain! C'est une hache. Elle coupe comme le jour où notre père l'a forgée. Qu'y a-t-il, mon ami? C'est quoi, c'est un pieu ce machin ou quoi? On apprend des choses les amis sur Sauron. Forge l'anneau. Oh putain. Je crois que tu l'as loupé. Oh! Je suis un petit peu solo là. Ous. Qu'est-ce qu'il va nous demander de faire? Oh putain de ta mère. C'est parti mon kiki. Et comment le but ce machin? Maman. Ça va être le bordel. Oui d'accord, d'accord. Qu'est-ce que... Le Nourg est tombé. L'histoire se répète. Suivons les conseils de l'Ordre. Règle 1. Improvisons. Il est trop fort. Je dois attaquer de loin. Un tir à la tête le désorientera. D'accord. Ok, tirer à la tête du gros qui charge pour le désorienter puis esquivez-le. Ok, c'est parti. Hey, motherfucker. Ah merde. Yeah, motherfucker. Allez, on lui grimpe dessus. Et là, ça va être la guerre. C'est parti. Que... Non, c'est tout. Ah, ça va, il est pas trop dur à tuer, ce fils de pute. Ya. Yeah. Oh. Mais d'où y a ça? Mon Dieu. Il va charger, il va charger. Ouh. Non mais lâchez-moi. Putain. Allez, faut qu'on le fasse mal. C'est bon, il a plus grand chose. Yeah. Mais j'ai plus pu avoir de flèches moi. Ouhou. Ah, il mange, il est là le problème, il mange. Il arrêtera de manger si je lui tire dans la tête. C'est ce qu'il... Mais c'est ce qu'ils ont dit. Allez, allez, faut qu'on récupère des trucs, là. Mais non! Mais il est là! Putain, ça va être chaud patate, les amis. Bah, il arrête pas de... Attendez, j'ai un objectif bonus. Non. Hé, hey, toi! Arrête de bouffer! Arrête de bouffer!
Putain, mais arrête de bouffer ta race, tu vas récupérer. Allez, viens me voir. Putain, mais c'est pas possible. Putain. Merde. Il est con, quoi. Mais non, mais... Mais... Il commence à vraiment me faire chier. Allez, le drainage. Voilà, tu peux plus rien bouffer maintenant. Alors viens me voir. Allez, il va charger. Youhou! Allez, charge! Voilà, c'est ça que je veux. Nickel. Allons-y. Allez, faut qu'on arrive à le buter, les amis. Ah, il va plus avoir beaucoup de vie, là, normalement. Putain, il a même plus de vie du tout. Allez, charge une autre dernière fois. Ah, ta mère. Non, il va encore bouffer. Putain, il me fait chier. Pourquoi il bouffe tout le temps, ce fils de pute? J'essaye de les buter aussi, moi. Allez, viens me voir. Attendez, si j'arrive à l'avoir. Ah ouais, je l'ai eu, objectif bonus rempli. Ah ah, tu m'as loupé. Allez, viens me voir. Allez. Je suis là. Allez, viens, mon ami. C'est la dernière fois et tu es mort. Non mais charge. Allez. Allez, charge-moi. Putain, mais il veut pas charger, cet abruti. Charge pas. Putain, il va encore bouffer des grogues. Fais chier. Ah merde, j'ai plus de... Ah, fuck that shit. Vite, là-bas. Arrête de bouffer. Merde. Et charge. Putain, mais pourquoi il charge? Ah, ça y est. Allez, les amis, on va se le faire. Pousse. Ah ah. Allez, on lui grimpe dessus et il est mort. Allez, on te découpe en rondelles, on fait du saucisson. On fait du saucisson de drogue. Ah ah. Ah, c'est notre ami le nain. Dorvan, le nain. Magnifique. Ah ouais. Tu vas l'avoir, mon ami. Dans l'œil, à chaque fois il attaque dans l'œil, mais ça va faire trop mal l'œil. Putain. Oh. Je crois qu'il lui a coupé la jugulaire. Il est mort. Crève, espèce de sale pourriture. Crève. Je crois qu'il est mort. Magnifique. Ça, c'est ce qui s'appelle de la chasse au gros. On peut dire ça, oui. La prochaine fois, tu me laisseras m'amuser. Oh non, non. C'était la dernière fois. J'ai d'autres proies à chasser. T'auras sûrement besoin d'aide. Qu'est-ce que tu dirais qu'on unisse nos... Non, Torvin. Je dois le faire tout seul. Si jamais tu survis... Eh ben putain. Rejoins-moi dans les montagnes bleues. Je te présenterai mes amis et on boira jusqu'à plus soif. Ah, j'ai vu ce qu'un nain pouvait boire. J'espère que nous nous reverrons. À bientôt, mon cher ami le nain. Alors, comment est-ce que je vais te faire sortir d'ici, hein?
Eh bah purée les amis, ça c'était de la chasse. L'armée du Seigneur des Ténèbres marchera sur le Mordor. Mais non. Arrête de dire n'importe quoi. Les chargements passent, s'il te plaît, mon ami. Mais un grand pouvoir peut être invoqué. Mais oui. C'est ça. Allez, allons-y. Alors, on est déjà à 25 minutes d'épisode. Il nous reste 5 petites minutes pour faire quelques petits trucs. On va en profiter. Allez, chargement. Plus vite. Merci. Cool, on sort avec lui en plus. Alors... J'espère que Thorvin pourra rentrer chez lui maintenant que sa chasse est terminée. S'il y parvient, il ne retrouvera pas son chez-lui comme il l'a quitté. C'est ici. On a un petit truc à faire ici. Allons-y. Faisons-le. C'est parti les amis. Chasse à la bête. Allez, on va booster un petit peu le pouvoir de notre très cher allié. Je choisis d'abord la viande. Chevauché spectral. Et lui, tu meurs. Oh, on peut pas. Bon, d'accord. Désolé les gars. C'est bon ? C'est bon ! Ah non, il reste lui. Bon, je suis désolé mon ami. Mais tu vas mourir. Voilà. C'est bon ? Ok. Bon. Bah écoutez, on dirait qu'il a pris son truc. C'est bon, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Oh putain, il y a un truc à faire ici. On va attaquer pour constituer votre armée et attaquer la main noire. Oh, ça va être magique. Oh, ça va être magnifique. Oh, ça va être beau, ça, les amis. Allez, on va aller faire juste ces trois-là là, qui se trouvent ici. Et après, on se quittera. On se quittera sur cet épisode 23 qui, ma foi, aura été très sympa. 23 ? 24 ? 24, 23 ? Oh, je sais même plus quel épisode on est, on s'en fout. De toute façon, à force d'en faire, je m'en rappelle pas. Allons-y. C'est parti. Donc lui, il va falloir qu'on le... Je sais pas trop comment... Qu'est-ce qui va se passer ? Ah oui, faut juste qu'il le tue. Bah, ça va pas être compliqué. Hein. Observez bien, recrue. Voilà comment on maîtrise un Karagor. Allez, il va sortir, je vais l'aider. Avec une petite flèche dans le Karagor. Une autre petite flèche dans le Karagor. Il est complètement affaibli. Et une autre petite flèche dans le Karagor. Il est mort. Voilà, mon ami. Tu es maintenant plus fort. C'est bien. Ils sont tous niveau 15. Nickel. Ensuite, il y a celui-là à faire. Allons-y. C'est pas loin, c'est juste derrière. Merde, le Karagor m'a grillé. Ou pas, vite. Si tu sais être rapide, il t'aura pas grillé. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Bonjour, mon cher ami. Tu es mort. Voilà, lui c'est fait. Merci beaucoup, Rodin, de vous, Rodin. De rien, de rien. Ils disent que vous allez tous nous sauver. Mais oui. Mais tout à fait que c'est vrai. Je vais tous vous sauver. Un par un. S'il le faut. Je les tuerai un par un aussi, s'il le faut. Bonjour! Personne ne rôde dans les parages, tu es fou, mon cher ami. Allez, au doigt et à l'œil. Accepté. Ah, lui, il a rien, par contre.
Il a rien. Il a pas d'allié, il a que dalle. Je pensais pourtant. Bondir sur l'ennemi est un geste lâche. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Faut que je l'attrape normalement et je le domine. Voilà. Excuse-moi, j'ai juste un truc à te demander. Si tu le peux. Ah oui, bon, il a pas grand chose à faire. Hein. Allez, contre lui. Parce que lui, il a un petit peu trop fait le malin à un moment, je trouve. Ok. Ça marche. Allez, barre-toi. Voilà, ça c'est fait. J'ai une révolte ici, mais j'ai un truc juste ici. On va l'aider. Et on se quittera pour cet épisode. Allons-y. Oh, l'esclave qui s'enfuit, ni vu ni connu. Pourquoi il veut pas simplement se montrer? On est même pas sûr qu'il soit dans Vous les avez entendu? Oh, il est pas loin. Je le sens. Ah bah, tu le sens bien. Qu'il est, il doit être en train de nous écouter. Prêt à attaquer. Qu'est-ce que c'était? Un cadavre! Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, tu as eu peur. Voilà. J'ai un petit truc à te demander. Ne résiste pas. Merci. Tu vas me donner quelques renseignements sur lui. Oh, le maître bouclier. Il est beau. Il est beau, mais toi tu vas mourir. Ok, ça marche. Lui c'est fait. Ok, bah on connaît tout en fait sur lui. Hein. On connaît tout sur tout. L'armée nous appartient. Oh. Mais il est tout petit. Mais c'est Uruk qui est tout petit, mes amis. Ah non. Ne les saignez pas complètement. Bah si, il a pas l'air pas très grand. Ok, faut que je les aide. Oh putain, ils sont nombreux. Allez, on va essayer de tous se les faire assez rapidement. Je sais pas si dans la tête ça change quelque chose. Allez, une petite grillée. Putain, j'en ai des flèches, les amis. Hein. C'est bon, j'en ai plus. Merci, t'as réussi. Ouais, il est un peu bizarre cet homme, je trouve. Chasse à la bête. Nickel, promu garde du corps. C'est ça que c'est beau. Super les amis. Ok, bon, écoutez, là ça aurait été le combo de l'armée. On aurait récupéré tout ce qu'on pouvait. Personnellement, on va continuer dans cette direction, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer encore un maximum dans les quelques prochains épisodes qui restent, essayer d'aller se venger un petit peu de celui qui a fait le malin, et puis on se retrouve pour la suite après. Voilà, allez, bisous et à bientôt.